Bonjour à tout le monde, nous sommes en train d'attendre euh, toutes les personnes qui vont euh, participer à cette session ce matin et puis on va commencer dans quelques minutes. et puis je pense peut-être on va commencer et euh, d'autres personnes pourraient nous rejoindre euh, et puis bonjour bienvenue à tout le monde moi, je suis Leslie Weir et je suis la présidente élue de IFLA et je suis la bibliothécaire et archiviste du Canada. Et avec moi, nous avons Sharon Memmes, qui est la secrétaire générale de, de IFLA. Et, et ça va et, faire un an presque, au, enfin le 1er juin, ça va faire un an que je suis en poste. la nouvelle secrétaire générale. Je ne peux plus dire cela. Dans quelques mois. <laughs> Et puis, euh, mais bienvenue à la session. Et puis, ça, c'est une partie d'une série euh, de sessions session qu'on qu on est en train de faire euh, au sujet de notre nouvelle stratégie de IFLA. Et puis, euh, on a déjà des, des assemblées euh, publiques euh, plus générales euh, que nous avons déjà organisées. Mais aujourd'hui, l'emphase est sur une question clé pour tout le monde. Et ça, c'est notre nouvelle stratégie pour 2024 euh, 20, à 2029, qui sera lancée et débutera en septembre 24 à Brisbane. Et puis, Comment, est uh, comment on va organiser uh, notre séance uh, d'aujourd'hui? Uh, nous, nous allons um, lancer avec une... Uh, uh, in... Excuse-moi. Et puis, uh, uh, ce n'est pas l'idée d'examiner uh, notre stratégie dans les grands détails, mais c'est beaucoup plus l'idée de voir des principes euh, qui sont partis. Et puis, on veut maximiser, maximiser le temps pour avoir des questions et des discussions au sujet euh, de la stratégie. Et puis, c'est nécessaire d'utiliser la fonction de questions et réponses euh, QA afin de poser des questions ou de faire des commentaires. Et puis euh, ce sera mieux d'utiliser le, de, le, le QA que le chat parce qu'on ne veut pas laisser tomber des questions. Et puis, si vous avez déjà posé uh, une question, um, on, on va donner uh, l'occasion aux autres participants uh, de donner leurs questions en avant uh, de, de faire un suivi avec vous. Et puis c'est toujours possible de demander des clarifications et s'il y a des choses euh, que vous ne comprenez pas, euh, mais demandez, euh, s'il vous plaît, demandez une question à nous. Et puis, ça, c'est le moment, un autre moment euh, d'utiliser de, de, euh, la séance d'aujourd'hui pour contribuer à l'élaboration de notre stratégie pour les prochaines cinq années. Et puis je pense que c'est important euh, de voir les actions jusqu'à aujourd'hui et probablement tout le monde est au courant que notre présidente euh, Vicky McDonald a lancé cette processus dans son discours au mois d'août 2023 et puis maintenant on est en train de 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 faire des prochaines étapes et puis le l'assemblée le on avait euh, des discussions avec le conseil d'administration à, à IFLA euh, au mois de décembre et puis nous avons lancé des sondages pendant les mois de janvier au mois de mars. Et puis un grand merci beaucoup à tout le monde euh, qui a envoyé, euh, euh, qui a participé dans le sondage pour euh, euh, nous aider d'élaborer euh, la stratégie. Et puis, au mois d'avril, euh, le conseil d'administration de IFLA avait l'occasion euh, de donner leur euh, soutien et approbation euh, au sujet d'une ébauche de la stratégie. Mais c'est extrêmement important pour nous de faire des consultations avec les membres et les bénévoles. Et ça se déroule euh, dans les mois de, de, de mai et, et de juin euh, pour avoir pour vérifier qu'on a trouvé une stratégie qui va toucher tout le monde et qui va aider tout le monde um, à, avec leurs priorités. Et puis, aujourd'hui, uh, on va couvrir uh, les objectifs pour aujourd'hui. On va voir le structure uh, du projet de stratégie. On va discuter la nouvelle vision proposée. Et on va avoir euh, une discussion sur les domaines euh, d'impact. Et après ça, quelques mots euh, de clôture. Et puis, tout d'abord, euh, c'est vous. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de faire une coordination de mes dépôts. Um, et puis, uh, il convient de, de préciser ce que vous pourriez retirer de cette séance. Et puis, on espère que ça va vous donner une idée de l'approche de stratégie, les usages potentiels de stratégie et de vous donner l'occasion. Euh, de nous aider à finaliser euh, cette stratégie. Et puis, on doit assurer que euh, IFLA a la meilleure stratégie possible. Et ça, c'est pour l'association, pour, pour, pour la fédération, pour les membres, pour les bénévoles et pour nos partenaires. Et puis, la stratégie a une variété de fonctions différentes. Et puis, um, ça pourrait, et, et, et des, des, des fonctions différentes pourraient toucher sur les membres et les uh, dans des, uh, des moyennes différentes, dépendant de leur situation. Et puis, um, il peut être une... Nous avons une euh, guide, une explication euh, pour aider tout le monde à euh, comprendre l'approche euh, qui est prévue euh, dans la stratégie. Et puis, euh, on espère de partager beaucoup d'informations avec vous aujourd'hui au sujet de ça. Nous espérons que cette séance va vous fournir fournira les informations dont vous avez pour répondre le plus efficacement possible euh, à cette en enquête. Et puis, euh, nous espérons que vous considérez cette session comme une occasion d'obtenir des éclaircissements, de poser des questions et euh, d'une manière plus générale de contribuer euh, à ce que nous puissions... Produire le meilleur document stratégique possible. Et puis, et puis, avec notre diapo 8, ça vous donne une idée euh, de comment les bénévoles et les membres de IFLA utilisent la stratégie actuelle. Et puis, c'est facile à voir que. La question pour les personnes d'être au courant euh, des bibliothèques et de Ifla et de ses membres, c'est extrêmement important pour les membres. Et puis, ça donne aussi euh, 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 de, de l'information euh, au sujet de, des activités et euh, de l'importance euh, d'une stratégie pour aider euh, tous les membres d'avoir un impact euh, euh, important au niveau euh, global. Et puis, euh, par exemple, près de 50 personnes euh, se sont inspirées par la stratégie actuelle euh, dans leur propre travail professionnel. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir une stratégie qui touche tout le monde. Et puis, nous avons beaucoup plus de détails sur notre site web. Et puis, je vous encourage de, de visiter et de voir les détails qui sont disponibles là. Et en même temps, euh, un point clé est que la stratégie a une, signif une signification différente selon les personnes. Et puis, que ça serve tout le monde. Et puis, pour dire pour neuf... Ça donne une impression euh, des intérêts des membres et des bénévoles au sujet de nos prochaines stratégies. L'importance euh, d'avoir une vision, mais qui est liée avec les actions, qui a quelque chose qui, 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 est, qui pourrait être utilisé par tout le monde, euh, où il pourrait euh, l'adapter euh, pour répondre à euh, ses besoins et pour être. Pour avoir une, une relevance pour tout le monde. Et puis, ça, c'est les quatre euh, messages les plus importants euh, pour les membres et les bénévoles. Et puis, voici la liste des réponses que vous avez apportées à ces priorités. Ce que nous avons appelé les voies de changement. Les résultats nous ont donné une bonne indication des domaines sur lesquels nous devions nous, nous concentrer, même si les clé qu'il euh, certaines euh, euh, de ce changement. Uh, vous pouvez cependant constater que le domaine le mieux noté est celui qui relève la vision et les actions. Cela ne signifie pas que nous ignorons les domaines moins bien notés, car ils sont importants. Mais nous avons essayé de faire en sorte que les domaines le, les mieux notés soient vraiment atteintes et puis maintenant je vais demander à Sharon de prendre le parole pour discuter la structure de notre projet de stratégie et puis à toi Sharon si. euh, et merci Leslie, et bonjour à tout le monde um, okay. d'abord enfin avant vraiment de commencer, je voulais juste dire deux petites choses. Premièrement, euh, mon vocabulaire en français du point de vue euh, stratégique, technique, n'est pas parfait. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me demander d'expliquer, parce qu'il se peut que je ne choisisse pas la bonne parole. <laughs> euh, et puis, euh, deuxièmement, la traduction qui a, qu a été faite pour la version, ce qu'on appelle la version zéro de la stratégie que vous avez vue, cela a été fait plutôt par euh, automatiquement. Donc, elle est aussi, elle n'est pas parfaite. Quand on arrivera vraiment à la fin et la, la version finale, euh, ça va être des êtres humains qui vont vraiment traduire et aussi. Euh, je vous invite déjà de, de nous, vraiment de nous aider pour voir si on a bien choisi le, le mot juste pour expliquer ce que nous voulons faire. Donc, j'espère que malgré le français et malgré mon français, vous allez plus ou moins comprendre ce que nous essayons de faire. Donc, euh, je vais d'abord expliquer un peu la structure générale, euh, vraiment ce que nous avons fait avec... Euh, 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 comme a vient d'expliquer euh, Leslie sur les enquêtes que nous avons fait, on a essayé de vraiment euh, prendre compte de, de vraiment les, les désirs, les souhaits de, de nos membres et de, de, de nos volontaires. Et donc, ce que nous avons essayé de faire avec cette nouvelle stratégie, c'est vraiment souligner l'importance des contributions, euh, vraiment euh, de, de l'action au résultat. Et à la vision. Je pense que si je peux dire pour les dernières stratégies que enfin la stratégie actuelle que nous utilise, que nous utilisons c'est que c'est en partie c'est une liste d'actions, c'est ce que nous faisons. Ce que nous essayons de faire ici c'est dire pas exactement voilà on fait ceci, on fait cela mais plutôt le résultat sera euh, l'impact sera donc de passer plutôt de l'activité, au résultat. En bref, c'est cela. Si, S'il y en a parmi vous qui, sont, qui connaissent les principes de la, la théorie du changement, vous allez reconnaître la structure que, que nous utilisons. Et puis, on a aussi pris compte de, de toutes les contributions de, des membres et des volontaires pour le dernière stratégie et on a, on a eu, je crois, Steve me l'a dit, 32 000 Contribution. Donc, ça, c'était énorme. Et pour moi, c'est un des grands plaisirs euh, que, que nous avons vraiment euh, euh, des membres qui sont extrêmement euh, engagés en IFLA, qui veulent contribuer. Et voilà. Et je pense, je ne sais pas, Steven, en, en, Steven est-ce que c'est exprès qu'on voit ton email ou euh, c'est par accident plutôt que, que le, le diapo? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais continuer. Voilà, structure générale. Et, euh, et donc, notre point de départ était quand même de, de, de nous appuyer sur cette base de contributions qu'on avait déjà. Et euh, je veux aussi remercier encore euh, tout le monde qui a contribué par les enquêtes que nous avons faites depuis l'année dernière. Et aussi, nous avons essayé de faire ce format visuel un peu différent pour pouvoir avoir, euh, un, si vous voulez, un résumé de, de, de la stratégie sur euh, une page, quelque chose un peu plus simple que vous pouvez voir tout sur une seule feuille de, de, de papier, plutôt que euh, euh, d'être obligé de, de regarder tout un livre. Euh, cela dit, on, on a bien sûr toutes les informations et les détails qui sont en, en dessus, mais au moins euh, on, on peut tout voir sur une, une, une seule feuille. Et puis, euh, on a essayé aussi de, de, de vraiment regarder la structure, de voir que c'est plus ou moins clair, les, ces chemins, ces voies de changement, quand on, qu on, qu on voit cela. Et donc, euh, j'espère que cela va être relativement facile à lire. Et aussi, euh, nous avons, par exemple, euh, enfin, aussi si vous travaillez sur les, les objectifs de développement durable des Nations unies, Uh, vous allez voir un peu ces mêmes idées, ces structures, ces formules, c'est-à-dire la vision, comment on le fait, uh, et aussi quelque chose qui s'adapte aux besoins des, des bibliothèques, des, des organisations uh, et des pays, des régions, um, et qu'on peut l'utiliser comme on le veut. Et on a essayé aussi de voir, de mettre IFLA... Oui, au cœur, mais aussi un peu en arrière. C'est-à-dire, comment, c'est où que vraiment IFLE peut rajouter euh, la valeur? C'est quoi notre rôle pour aider, pour faciliter? Euh, et donc, voilà plus ou moins les, les structures générales de, euh, de, de la stratégie. Donc, si on passe au, à la prochaine diapositive. Prochain, merci. Aussi, un principe très important, c'est de voir. Comme je disais, analyser comment l'IFLA contribue au succès. Et dans un sens, le, le principe, bien sûr, qui, 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 qui est là de l'IFLA, c'est l'I de l'IFLA, c'est l'international. Les membres de l'IFLA sont membres parce que, en partie, ça donne des opportunités de collaboration internationale. Et donc, ça, c'est un point de départ pour nous et pour la stratégie et, je crois, pour nos membres. Et sans cette collaboration internationale, dans un sens, on ne peut pas réussir dans cette stratégie. On peut toujours apprendre, chaque pays peut attendre, chacun apprend de tout le monde. On a essayé aussi d'inclure de, de, euh, un guide un peu à comment lire euh, la stratégie. Um, parce que, comme j'ai dit, c'est basé un peu sur la structure d'une théorie de changement euh, qui essaie de relier euh, ce que fait l'IFLA à l'ensemble du secteur mondial des bibliothèques. Et donc, on a essayé d'expliquer comment fonctionne la stratégie et j'espère que cela sera utile aussi. Euh, donc, prochain diapo. Merci. Donc, voilà. Ça, c'est la structure. Comme je vous ai dit, si vous connaissez la, la théorie du changement, vous allez reconnaître tout de suite le, la structure. Il y a la vision, tout à fait en haut, et on va euh, discuter ça tout à l'heure. Comment y parvenir Puis on a trois euh, domaines d'impact avec une définition de, de, de succès, de réussite. Et c'est un peu cette idée, comme on dit en anglais, the power of three, la puissance de trois choses. C'est-à-dire, on essaye de faire trois. Et, Et puis en dessous, il y a ce que l'IFLA peut faire pour y, y parvenir. Et il y a les trois zones, euh, si vous voulez, les trois actions d'IFLA qui, qui peuvent contribuer, qui peuvent aider, soutenir euh, les domaines d'impact euh, qui sont au haut. Puis il y a cette idée de facilitateur. Et ça, je ne suis pas sûre de la traduction en anglais. Si vous voulez, le, le terme technique, c'est enable, c'est-à-dire les choses qu'il faut faire qui vont faciliter, optimiser euh, les actions. Et on discutera ça aussi euh, un peu plus tard. Et finalement, ces mesures, les, les indicateurs de succès, ça c'est très important, c'est-à-dire on, on dit, nous allons, euh, les résultats, la vision et cela. Mais comment est-ce qu'on peut faire des métriques et savoir si on a réussi Donc, c'est une partie très importante et dans un sens un peu nouveau comparé à, à, à la stratégie actuelle. Très bien. Alors, euh, la, la prochaine. Merci. Donc, nous allons passer vraiment euh, au, au, au cœur de la stratégie et euh, on va commencer avec euh, la vision, la nouvelle vision. Et la nouvelle vision, je le lis, un avenir durable pour tous grâce aux connaissances et à l'information. Et en anglais, c'est Sustainable Futures for All through knowledge and information. Et puis, euh, cela est vraiment, euh, j'espère, vous allez voir que c'est beaucoup plus court. Moi, j'arrive à me rappeler de, de, de la vision. Il faut dire, je, je dois avouer que avec l'ancien, chaque fois que je, je devrais parler de la vision, j'étais obligée de relire parce que je ne me rappelais jamais l'ordre des mots et, et je, me, je me disais, tiens, pour un secrétaire général, de ne, sa, ne pas se rappeler de la vision, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la prochaine fois, ça va être quelque chose de beaucoup plus simple. Et euh, il, il faut voir si je, je, ça je demanderai vraiment à, à vous de nous dire si c'est si la traduction de cette vision mm -hmm. qu'on a en anglais, si c'est vraiment ce qu'il faut en, en français, mais ça c'est ça pour, pour plus tard. Donc c'est facile. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est mettre en avant l'avenir la, que nous voulons voir et après mettre euh, la contribution si vous voulez, Comment les bibliothèques euh, peuvent contribuer à cela Donc, c'est mettre notre monde dans le monde plus large, euh, dans, le grand, euh, dans le système plus large. Comment nous, on, on peut, les bibliothèques aussi, euh, peuvent faire un meilleur monde euh, pour, euh, par le, le, la connaissance et l'information et puis aussi, euh, l'important, c'est comment y parvenir. Et ça, c'est, je vais le lire aussi parce que c'est aussi important. Les bibliothèques, leur personnel et leurs associations ont la capacité, les contacts, la confiance et la résilience nécessaires pour réaliser leur potentiel de développement durable dans un monde qui évolue rapidement. Et je pense qu'il faut dire peut-être une chose aussi sur les objectifs de développement euh, durable. Il y a beaucoup de, de, de monde qui pense, ah, ça, ce n'est pas pour nous, c'est juste pour les, les pays en voie de développement. Mais en fait, les, les ODD de, de, des Nations Unies, c'est pour tout le monde, autant pour euh, euh, l'Europe, euh, l'Amérique du Nord, autant que pour. Euh, le Zimbabwe ou, 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 ou Bangladesh. Donc, c'est-à-dire, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut. peut donc, le concept euh, de l'avenir durable, du développement durable, est, est quelque chose pour tout le monde. Et ça, c'est très important. Ok. Et puis, euh, la prochaine. D'accord. Alors, euh, ce, que, ce que je vais faire maintenant, si vous vous rappelez de du schéma avec les trois domaines d'impact en haut. Et les voici. Donc, je vais les faire un peu plus en détail. Euh, premièrement, c'est une pratique professionnelle, innovante, efficace et éthique. C'est-à-dire, c'est la partie vraiment professionnelle. C'est comment les professionnels des bibliothèques et de l'information évoluent, s'améliorent et, et font de l'innovation en permanence pour répondre aux besoins des communautés euh, qui servent. Et ça, c'est important, ce concept de servir des de, de communautés. Donc, ce n'est pas juste pour les, les membres, pour vous comme professionnels, mais aussi pour les communautés euh, qui viennent, qui utilisent vos, vos, vos services. Deuxièmement, un engagement efficace auprès des acteurs clés ainsi que des communautés. Euh, comme vous le savez, euh, nous avons, IFLA, une équipe euh, euh, de, je dirais, en anglais, advocacy, je trouve toujours le français, je n'ai jamais trouvé le mot vraiment juste pour, euh, pour des advocacy, on dit lobbying, on dit engagement, on dit sensibiliser, faire des arguments, mais je vais utiliser le mot advocacy euh, ici. On peut dire plaidoyer, d'accord. Plaidoyer pour moi, c'était plutôt dans un. un, un Je n'étais pas sûr, mais si plaidoyer, ça, ça marche. Mais si, si vous comprenez advocacy dans ce sens, vous m'excusez d'utiliser un, un mot um, plutôt anglais. Et uh, l'équipe menée vraiment par Steve est extrêmement efficace. Et, et c'est un, un travail qui est extrêmement important. Il y a. Il y a quelques-uns parmi vous qui, qui, qui vraiment suivent ce, ce, ce travail. Mais pour d'autres, c'est beaucoup plus le côté professionnel et les standards. Mais en fait, l'importance d'avoir le mot bibliothèque utilisé à New York, à Paris, au gouvernement, on, on, on ne peut pas imaginer l'impact de cela. Et l'équipe ici à IFLA, Simple, pas simplement l'équipe, mais aussi avec vous, avec beaucoup de nos volontaires, ont réussi, ont, ont eu vraiment un, un énorme succès euh, auprès vraiment des décideurs au niveau international qui maintenant ont un peu plus de, de compréhension du rôle des bibliothèques dans le développement durable. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Lazy, si tu voulais dire quelque chose là. Mais seulement d'ajouter peut-être un petit mot pour dire que c'est clé maintenant, tous les défis avec euh, des et avec l'intelligence artificielle, aussi que dans, à New York, à Paris, à Londres, que les gouvernements, euh, les groupes internationaux sont au courant que les bibliothèques ont un rôle à jouer. Et nous avons de l'expertise et on pourrait aider euh, de développer les approches euh, pour l'avenir. Et puis, je pense que notre vision donne un parapluie pour nous aider de le faire. Oui, oui. Ouais, ouais. Et puis, en fait, ce que nous, veux, nous, nous voulons faire, c'est être sûr que, et nous assurer que ce n'est pas simplement l'équipe Iflo qui ont les outils et, et, et les, les connexions, mais aussi euh, les bibliothèques et nos membres partout dans le monde. Donc, et puis, le troisième euh, domaine euh, euh, d'impact est structure et capacité pour la réalisation des objectifs de développement, c'est-à-dire le personnel dans les bibliothèques euh, qui, qui vraiment ont euh, les capacités, les. Euh, et, et les structures, les réseaux pour collaborer vraiment à la mise en œuvre et à l'évaluation des résultats. Parce qu'on ne peut pas simplement dire, ah oui, on est, on est bien, <laughs> les bibliothèques sont superbes, il faut avoir vraiment l'évidence, l'impact, euh, euh, les, les preuves, si vous voulez, et aussi les, les capacités euh, professionnelles euh, et structures et selon les besoins. Euh, des bibliothèques partout dans le monde. Donc, si vous voulez, les, les trois domaines professionnels, l'advocacy au plaidoyer, et aussi euh, cette idée d'être, euh, de, de, de pouvoir répondre aux besoins euh, différents, que ce soit au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud qu'on que est relevant, si vous voulez, euh, pour tout le monde. Donc, voici les, les, les trois domaines d'impact que nous cherchons. Après, nous allons regarder comment IFLA peut aider cela. Mais avant de faire ça, je vais passer la parole à Steven qui va vous poser quelques questions. <laughs> voilà, donc je vais changer le, le DFO. Um, donc, voilà. Uh... Je sais qu'on est en, en petit groupe, mais j'espère que vous allez répondre nombreux. Euh, malheureusement, vous ne pouvez pas répondre deux fois, donc on va, on va rester sur le petit nombre. Mais euh, la première question, c'est suite à tout ce qu'a expliqué Sharon sur la, la vision et l'explication, cette conception de comment le, le, le domaine, le champ des économies internationales contribue à l'atteinte des objectifs du euh, développement. À quel point trouvez-vous que cette vision et ces explications sont, sont claires Et ensuite, à quel point sont-elles convaincantes Et pour faire ceci, je suis sûr que vous êtes, euh, vous êtes bien au courant. Vous avez des, On vous a déjà demandé d'utiliser Menti par, par le passé. Mais en effet, vous allez à menti.com, M-E-N-T-I.com. -E et ensuite, euh, quand, quand cela vous demande, vous mettez le code 5971... 0100. Donc voilà, 59 61 0100. Et cela vous posera les, les questions et au fur et à mesure que vous répondez, on, on va voir qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, je suis désolé, j'ai fait le faute de, de laisser un peu l'onglet. Donc voilà, strongly disagree veut dire fortement pas d'accord, strongly agree veut dire, veut dire fortement d'accord. Donc voilà. Bien, super. Donc, une réponse. On va attendre encore. Enfin, on peut voir combien vous en êtes. Donc, je vais, je vais attendre quelques secondes au moins pour... Pour, pour que les davantage d'une ou deux réponses en plus. Mais pour dire avec les autres groupes, c'est vrai que ça se voit que nous devons travailler encore un peu le... le à quel point ces, ces, ces explications cette vision est convaincante et je sais qu'en partie lors des, des, des dimensions culturelles dans ceci donc voilà encore 10 secondes et si, si quelqu'un a des problèmes techniques avec ceci n'hésitez pas à, à poser à poser la question à poser les questions dans le, dans le chat Ah, voilà. OK. Un peu plus OK. Voilà, ça commence à arriver. OK. Donc, encore 10 secondes. Et normalement, vous saurez encore, vous pourrez encore répondre. Mais en effet, fait, l'idée ici, c'est ici, pour permettre, permettre la, la réflexion. OK. Ensuite, je passe au, le prochain, au prochain diapo. Um, et voilà, ça, c'est l'occasion pour vous de, de laisser vos, vos commentaires à ce point. Sur la vision, les explications. Évidemment, il y aura le sondage aussi. Vous aurez plein d'occasions pour encore deux, trois semaines pour, pour, pour faire des commentaires plus détaillés. Mais c'est toujours intéressant, c'est toujours utile pour nous d'avoir vos, vos réactions immédiates. Donc voilà, on vous laisse 30 secondes ou bien quelque chose comme qu 30 secondes afin de, afin de laisser vos commentaires à cette étape-là. Tout le monde sait, ah oh, bien, <laughs> tout le monde est tellement ébahi par la stratégie qu'il n'y a pas de commentaire, mais non, c'est bien. Ok, donc c'est bien qu'il y ait plein d'exemples de ceci en France. Enfin, je trouve que ça, serait positif que ce, qui, ce, que, ce que nous avons écrit jusqu'ici dans la vision résonne, que vous, vous voyez comment cela fonctionne sur le terrain et effectivement, ça se. On trouve que c'est ça que nous visions, surtout avec l'idée d'une de, de, stratégie qui soit adaptable, adoptable. Donc voilà, il y un appel à être plus ambitieux, plus, plus vocal en défendant les libertés d'expression. Super. Donc, OK, laissons, faisons encore... 15 secondes, et ensuite on, on va passer à la prochaine. Mais comme j'ai dit, évidemment, il y a un, le sondage est ouvert, on, a, on vient d'étendre la date limite pour ceci. Donc, vous aurez encore, encore du temps pour réfléchir davantage, utiliser, voilà, réfléchir sur ce que vous auriez entendu ici aujourd'hui. Et, euh, et ensuite, voilà, transformer un commentaire par le par biais du sondage. Je trouve que voilà, ces questions sur les valeurs, je crois qu'on on va toucher là-dessus dans la prochaine section. Donc, je crois qu'avec ceci, je vais repasser la parole à Sharon pour, pour qu'on qu continue. Voilà, Sharon, c'est à vous. Merci et merci aussi pour euh, vos commentaires euh, et j'espère aussi en voir encore euh, sur les enquêtes. Donc, euh, nous allons passer, si vous voulez, aux, aux trois autres. De petites boîtes sur la stratégie et les actions que les FLA peuvent mener pour, pour soutenir et aider à la réussite des, des domaines, les trois domaines d'impact. Donc, si tu veux passer, Steven à la prochaine diapo. Okay. Donc, ici, nous avons mis, vous euh, voulez, la. la sommaire de la stratégie sur une page, donc la vision dont on a parlé, comment euh, y parvenir, les trois, trois domaines d'impact. Et puis euh, les actions. Maintenant, on va regarder les actions menées au sein d'IFLA et je vais essayer de, de passer brièvement par euh, ces trois. Donc euh, voilà la prochaine. Donc les trois domaines d'impact. Um, on regarde ça donc un peu plus en détail. Um, et euh, c'est vraiment, c'est quoi que, euh, si on prend le premier, c'est vraiment ce domaine des communautés professionnelles dynamiques et mondiales. Et c'est vraiment là que les groupes euh, de, de volontaires, euh, et, et je sais que, que quelques-uns d'entre vous sont, sont, sont membres de, de ces groupes. C'est quoi que IFLE peut faire pour vraiment les rendre de plus en plus dynamiques, euh, plus efficaces, euh, vraiment soutenir. C'est ce que nous essayons de faire. On a créé un nouveau poste de quelqu'un qui est plutôt un manager des, des, des communautés de, de pratiques professionnelles et pour vraiment essayer de voir non seulement les groupes, mais comment on peut faire... Euh, euh, les liens entre différents groupes et, et, et de, des jeunes professionnels, etc., de rendre de plus en plus dynamiques ces, ces groupes professionnels. Euh, deuxièmement, euh, les bibliothèques sont reconnues, représentées et valorisées en tant que partenaires. Donc, donc qu'est-ce que nous, on peut faire à IFLA pour aider euh, tous nos membres euh, de vraiment euh, les doyers de, de, de faire cette advocacy de, de faire les cas les arguments pour le rôle et la contribution euh, des bibliothèques pour nous espérons les partenariats pour euh, accéder plus d'argent même pour vraiment faire les arguments euh, du, du, de l'importance des bibliothèques. Et euh, troisièmement les bibliothèques sont en mesure d'apporter des changements significatifs à tous les niveaux. Donc, donc, ça, c'est vraiment comment on peut vraiment travailler et rendre de plus en plus efficace les, les structures régionales qui sont relativement nouveaux pour IFLA, ou enfin, quelques-uns sont nouveaux, euh, et de faire entendre la voix des régions pour que tout le monde se sent euh, vraiment égal à, à IFLA. Et euh, avoir les plans de travail euh, vraiment relevant, de coordonner les actions. Euh, quelles sont les formations que nous, on peut organiser? Déjà, on a fait certains, euh, Christine, euh, notre collègue qui est là, qui est notre manager de, de, de planification d'impact, et elle a déjà fait des formations euh, globales pour comment on fait les métriques, comment on peut faire de l'histoire euh, euh, vraiment qui, qui, qui raconte l'histoire de, de, du potentiel, et il y a des résultats des bibliothèques et, euh, et vraiment euh, comment on peut soutenir vraiment les associations les membres partout euh, euh, pour pour optimiser si vous voulez former donner les conseils euh, soutenir un maximum et aussi comment parce que rappelons aussi de, de ce euh, euh, principe d'international comment on peut mettre ensemble pour qu'il y, y a certains qui peuvent conseiller d'autres et vraiment apprendre globalement. Donc ça, c'est une partie très, très importante. OK. Euh, prochain. Et ici, comme je disais avant, je, le mot qu'on a trouvé pour traduire, c'était facilitateur, mais en fait, en anglais, c'est enabler. Euh, c'est cette idée, comment, ce que nous, on peut faire à IFLA, pour optimiser nos ressources, pour pour vous aider un maximum. Ce sont les choses qui sont peut-être un peu moins visibles, mais on a même cette dernière année, on a fait énormément de changements euh, internes, si vous voulez à Effleur, mais aussi en travaillant surtout avec Vicky, euh, la présidente, et aussi avec euh, Leslie, pour la transparence, pour de, de communication, euh, mais aussi à l'intérieur de Ifla pour être vraiment euh, bien géré, pour que l'organisation soit bien gérée, que l'équipe soit bien formée, que on a des euh, capacités nécessaires, qu'on a une stratégie de partenariat, de, de vraiment assurer, si vous voulez, ce qu'on appelle le préparer l'avenir de l'IFLA. On parlait toujours en anglais, on disait le mot future-proof. Ça veut dire comment on peut être vraiment euh, Prêt pour l'avenir euh, et n'oublions pas qu'en 2027, IFLA va fêter son centenaire. Donc, comment on se prépare pour le deuxième centenaire de l'IFLA Et ça, c'est ce qu'on appelle, le, si vous voulez, le « enable », le facilitateur. Invisible plus ou moins à tout le monde, mais vraiment qui, qui euh, optimise l'international et optimise IFLA pour vous aider euh, le mieux qu'on peut. Là. Alors, euh, je passe maintenant la parole encore à Steven euh, qui va encore vous poser quelques questions avant de repasser la parole à Leslie. Alors, donc, no, no, normalement, les, les questions se posent déjà euh, sur votre smartphone, sur votre ordinateur, sur votre écran. Et donc, en effet, voilà, comme Sharon vient d'expliquer, de, vient, vient de présenter, voilà, il y a des, des trois domaines d'action et le facilitateur, le enable. Et donc, encore une fois, on aimerait bien. Ah, oh, voilà, il y a quelque chose qui manque dans c'est, Mais voilà, effectivement, que, que... il y a quelque chose qui manque dans ces pas, mais je, je, je vais l'expliquer afin de le rendre un peu plus facile. Mais voilà, à quel point êtes-vous êtes d'accord avec les énoncés suivants que. Les, que les domaines d'impact et le facilitateur sont clairs, et ensuite que les domaines d'impact et le facilitateur sont convaincants. Donc, effectivement, ce sont les mêmes questions que tout à l'heure sur la clarté et sur à quel point, sur le, la qualité d'argument, sur le, à quel point sont-ils convaincants. Et je veux dire merci, je, je, je vois qu'il y a beaucoup de. de de plus en plus de questions dans le section questions-réponses donc je crois que Leslie et Sharon vont, 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 vont les regarder aussi afin de d'y répondre mais voilà on attend encore une vingtaine de secondes pour voir si quelqu'un va était super génial et voilà pour répéter la question est-ce que est-ce que vous êtes d'accord ou plutôt pas d'accord que que les domaines d'impact et le facilitateur sont clairs. Est-ce que vous êtes d'accord ou plutôt pas d'accord sur, sur l'idée que les, les, les domaines d'impact et le facilitateur sont convaincants? Voilà. Bon. OK. OK. OK, donc voilà, ça c'est un peu plus positif. Éventuellement, ça c'est. Voilà, ça, ça se comprend. Je crois que c'est plus concret déjà et j'espère que ça, ça reflète un peu le, le... votre expérience. Enfin, on... Je note bien que voilà, on a encore du travail à faire sur comment est-ce qu'on peut les rendre un peu plus convaincants. Donc, je vais passer au prochain diapo. Et là, c'est l'occasion de, de faire des commentaires. Donc. Voilà, je vous laisse deux minutes quelque chose comme ça, afin de, d'écrire, afin de nous donner des idées, des, des, des suggestions sur comment est-ce qu'on peut améliorer, ou ce qu'on peut rendre ce projet de stratégie plus fort. feedback, pour le retour positif. C'est toujours bien, c'est toujours bienvenu. Alors, faisons encore une vingtaine de secondes et ensuite on va, parce que je vois que vu qu'il y a des questions dans le QA, je voulais surtout laisser un peu de temps et pour que Leslie et Cher, on puisse donner les dernières informations, mais surtout pour pouvoir répondre à ces questions, à ce commentaires qui a été fait là. Donc, 10 secondes encore. Voilà, et... <laughs> c est, c est, ouais, je comprends, ce n'est pas facile de réfléchir quand il y a quelqu'un qui vous rappelle tout le temps combien de secondes il vous reste. Donc... Alors voilà, c'est bien que vous faites référence au train de report c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment. Donc... OK. Donc, merci beaucoup. Je crois que je vais passer au, au prochain diapo. Donc voilà, de euh, voilà, retour à vous, Sharon, Leslie. Je crois que c'est Leslie qui va. Continuer. Oui, mais peut-être en avant de, de, par, de parler des prochaines étapes, euh, comme Steven a mentionné, on a beaucoup de questions euh, dans le QA. Et puis, je pense que peut-être ce serait un bon moment pour essayer de répondre aux, aux questions, ouais, parce qu'il nous reste seulement comme une euh, 10-11 minutes. Et puis, euh, Um, on avait une première question de daniel uh, qui a touché sur la question de transparence. et en même temps, que il y a toujours uh, une grande nébuleuse. et puis, um, je dois dire que je pense qu'on est en train de faire uh, des approches sur plusieurs voies pour essayer d'améliorer la situation. Um, je pense que tout le monde a déjà vu les messages de Vicky euh, qui, sont, euh, qui, qui sont envoyés euh, aux membres et aux bénévoles, et après ça, qui euh, euh, sont euh, disponibles au niveau public. Mais j'espère que tout le monde a noté euh, une grande transparence là et qu'on essaie euh, d'assurer que tout le monde est au courant de, des discussions au conseil d'administration. Et en même temps, euh, on est en train de, de voir avec la gouvernance qui a été mise en place euh, il y a peu, trois ans, comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons notre euh, conseil professionnel avec toutes les sections, nous avons nos conseils euh, régionaux avec toutes leurs divisions et sections, et puis on essaie de voir comment les deux pourraient travailler ensemble. Et d'avoir les plans d'action qui sont publics, où euh, c'est plus facile euh, de comprendre quoi déroule euh, dans l'association euh, et pour euh, mettre en valeur de collaboration à euh, travers IFLA. Et puis d'avoir euh, les groupes euh, dans, qui sont liés avec euh, les sections professionnelles de faire la collaboration entre eux, mais en même temps avec euh, les, les, euh, les, les unités euh, liées avec, euh, avec euh, les régions. Et en même temps, on doit assurer qu'on on est toujours, on est une fédération des associations et des institutions. On doit assurer qu'on euh, est en train de, de continuer de développer des relations avec les associations clés. Et je sais que Sharon et Vicky avaient déjà euh, des rencontres euh, euh, avec euh, des associations et avec des institutions clés, surtout les institutions où on a un changement de leadership pour assurer de maintenir leur engagement avec IFLA. Euh, Peut-être Sharon veut ajouter ou partager des choses. Euh, euh, oui, en, en fait, ce que nous essayons de faire aussi, euh, c'est comment euh, mieux communiquer avec les associations. C'est sûr qu'on vient d'être, euh, on vient de visiter Paris euh, et on a rencontré, par exemple, le nouveau président du, du BNF, ce qui était très bien. Il y a eu des changements en Grande-Bretagne aussi. On va regarder ça. Mais euh, je, je dirais juste sur la transparence, c'est quelque chose d'important. Moi, je dis... Euh, on ne parle pas de transparence, il faut faire la transparence et c'est ce qu'on essaie de faire euh, et, et ça c'est le changement. Euh, comme c'est aussi le changement d'essayer de vraiment euh, pas faire tout 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 en anglais, <laughs> d'essayer de faire un peu en d'autres langues, nous allons faire aussi euh, une session en espagnol. Euh, et, 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 et si ça, on peut parler un, un peu à tout le monde. Si je regarde les questions, parce que je vois qu'on n'a pas énormément, énormément de temps, il, faut euh, il y a quelques diapos encore, um, il, y a de, il y a des questions, des commentaires, et euh, je sais qu'on est très sensible. Par exemple, il y a une question de Daniel euh, sur les coûts des voyages euh, pour les événements, et, et je, je pense que ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a l'Asie, justement, qui mène. Euh, euh, le, le revu du modèle de MLEC. De je, je pense que tout le monde met en question, et nous aussi, euh, mais je, je, je sais qu'on reconnaît, mais il y a aussi euh, pour beaucoup de monde l'avantage d'être dans le même endroit. Et ça, c'est quelque chose avec... Non, il ne faut pas aussi perdre cela. Uh, je, je, je vais demander peut-être uh, à Vicky Alessia de dire quelque chose sur le, le, le modèle BLIC, mais j'ai vu aussi une question sur le. Um, par exemple, il y avait quelqu'un, je crois, Antoine, uh, Tu as parlé un peu de, uh, des problèmes, des débats sur Dubaï et des, des divergences, comme vous l'avez dit, de grandes divergences, la stratégie sur la défense de valeur dans différents pays. Euh, c'est sûr qu'il y a des valeurs différentes. Euh, je pense qu'il euh, faut, il faut accepter, IFLA a ses valeurs et elle aussi a été très forte là-dessus. Euh, ça ne veut pas dire que si on n'est pas d'accord, on, on les exclut de IFLA non plus. Donc, comment euh, être euh, une organisation qui peut faire quand même les choses un peu professionnelles, si vous voulez? Euh, pour, pour tout le monde. Il faut que tout le monde trouve son bonheur à IFLA. Euh, et, et mais IFLA doit rester là, je pense, avec les valeurs euh, très fortes. Et euh, ça, c'est très important. Mais c'est un dé débat qu'il faut avoir et pas simplement penser, euh, faire comme si rien s'est passé. Donc, je ne sais pas, Eiffel, euh, Leslie, tu, yeah. si tu veux rajouter un peu à ça. Seulement parce qu'on a, on a cinq minutes qui, qui nous restent. Et puis, comme euh, Sharon a mentionné, je, je préside euh, le groupe de direction qui est en train de revoir euh, le congrès. On a déjà fait notre premier euh, sondage. Et puis, on a trouvé que qu'un grand pourcentage, plus que euh, 90 de personnes veut avoir un congrès et pense que c'est important. Il y a toujours des défis avec les coûts et avec l'habilité pour les personnes de voyager au, 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 à l'international. Mais on va avoir un deuxième euh, sondage qui va être lancé euh, au milieu du mois de juin pour discuter euh, le programme, le contenu. Et euh, à l'automne, on va faire des demandes au sujet de, euh, de, de lieux, Uh, Est-ce que ça va être un congrès annuel? Et puis je vous encouragez de participer dans ça. J'aimerais aussi faire référence uh, uh, à la question d'Antoine au sujet de Dubai. Je dois dire que pour l'appel uh, pour le congrès de 2025, on a mis on a changé nos critères uh, pour les pays hautes, pour uh, assurer que les pays sont au courant des valeurs de FLA. Et que IFLA va être complè complètement responsable pour son programme euh, au Congrès. Et puis, euh, avec la transparence, je pense que tout le monde a, a vu que, en préparation pour notre assembl Assemblée générale, euh, nous avons partagé de l'information dans le message de Vicky euh, comme présidente de notre situation financière, et en même temps, pour la première fois, je ne sais pas si c'est dans l'histoire d'IFLA, mais dans, dans la période courante, nous avons partagé le, le fait qu'on avait um, une demande, une soumission d'aide haute qui a rempli tous les critères, et que c'était Kazakhstan et puis euh, le conseil d'administration a décidé de partager cette information avec les membres et de ne pas attendre une grande annonce mais de donner l'occasion pour les membres et les bénévoles euh, de partager euh, leur euh, euh, leur réaction et puis euh, on espère de faire d'avoir la transparence et d'être en action comme euh, Sharon a mentionné et en même temps euh, 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 de d'essayer de d'engager de, de, avec vous euh, pour assurer que la fédération est en train de répondre à vos besoins et puis la communication est clé et puis ça c'est quelque chose en développement euh, mais je pense que tout le monde a, a déjà vu les changements et puis maintenant nous avons seulement quelques minutes qui restent et peut-être que ce sera possible pour nous de faire des suivis euh, euh, au sujet euh, des questions qui nous restent. Mais en même temps, euh, nous avons notre euh, enquête qui est, qui est toujours euh, euh, live. Et puis, on espère que euh, si vous n'avez pas l'occasion de, de, de participer dans ça, de le faire en avant de, de date limite qui est le 18 juin. Et puis, je pense aussi que c'est important de, de parler de nos prochaines étapes. Et puis, um... Ooh, oui. Sorry, je pense qu'on n'a pas le temps pour aller dans les détails de, de, de cette diapo. Oui, euh, c'est juste pour euh, dire qu'on va faire les, les mesures, de les indicateurs de succès pour qu'on puisse voir si on réussit ou pas. Mais on oui, doit regarder ça et bon, ça va changer, mais c'est un exemple de comment ça pourrait être. Oui, exactement. Et puis, on doit avoir des actions et on doit voir l'impact. On doit avoir des mesures de, ré, de réussite. Et puis... Ça va être une partie des prochaines étapes d'assurer d'avoir uh, ces indicateurs et d'avoir une moyenne pour mesurer notre succès. Et puis, on a le date de délai pour uh, l'enquête, le 18 juin. Uh, et puis, on va avoir uh, une version révisée. Um, et je pense que comme Sharon a mentionné, on va finaliser la version en anglaise et d'assurer que toutes les versions dans les langues officielles et sans question uh, dans la langue française, que uh, la version française reflète vraiment la vision et on va assurer de travailler avec vous uh, sur cette question. Et puis... Uh, oh, pendant euh, les mois de juillet euh, au mois de septembre, on va travailler avec toutes les unités professionnelles et régionales pour explorer euh, la vision et euh, notre stratégie et pour assurer que la, la nouvelle stratégie est bien euh, euh, comprendre et que ça va euh, euh, avoir, une, 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 ça va inspirer Uh, les plans d'action uh, de toutes uh, les unités uh, de IFLA. Et puis, uh, on attend aussi uh, le grand lancement officiel de la stratégie lors du sommet d'information future uh, qui est ciblé uh, uh, le 30 septembre au uh, 3 octobre à Brisbane. Et puis on espère que ça va être possible. Merci beaucoup à Antoine pour les suggestions euh, pour euh, 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 CFIBD qui pourrait euh, aider avec euh, la traduction euh, des documents clés. Et puis un grand merci beaucoup à tout le monde euh, pour assister à cette session aujourd'hui. Et puis, si vous avez d'autres commentaires à partager avec nous, s'il vous plaît, le faire. Uh, la stratégie est pour pour nous, pour vous, pour IFLA et pour uh, la domaine des bibliothèques et de l'information globale. Et puis, uh, et merci beaucoup à Stephen et uh, les membres de notre équipe uh, de rendre uh, cette session possible. Et puis, un dernier mot à Sharon. Uh, Juste pour dire. Um... Une chose, merci Antoine euh, et aussi Daniel. Et aussi, nous, nous lançons le nouveau Trend Report. Et Antoine, je sais, dans les questions aussi, euh, tu parlais de le Trend Report. Et, et ils sont un peu liés, en même très liés. Et ça va nous aider énormément si vous pouvez regarder le français pour le Trend Report aussi, parce qu'on veut le faire en toutes les langues. Euh, et je pense que ça va être très, très intéressant. Donc, les deux, la nouvelle stratégie est un un trend report complètement nouveau euh, qui vraiment, j'espère, va, euh, va être intéressant pour et les bibliothèques et les non-bibliothèques, parce que ce sont les metatrends. Donc, merci et merci pour cette offre. On ne l'oubliera pas. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter et euh, je vais essayer de, le, de répondre. Merci. Merci. OK. Bonjour.